chercheur au MIT, a un bon exemple pour satisfaire mon appétit de connaissance. Pour la première fois, on est capable de partir de l'échelle macroscopique et de descendre jusqu'à l'échelle nano avec une vision cohérente et en comprenant ce qui se passe. Par exemple, si je voulais fabriquer une télé de la taille capable de disposer quelques couches de molécules sur toute cette zone, avec une précision de 10 ou 15 molécules d'épaisseur. En tout cas, pas plus de 20 molécules. Comment y parvenir ? Prenons un écran LED. Un écran LED, c'est une petite diode électroluminescente, une précision permettant d'avoir un écran parfaitement uniforme. Maintenant, si vous prenez ce cornichon, ce qui lui donne sa couleur à l'intérieur est aussi une molécule. Il s'avère que ces molécules, comme n'importe quelle molécule, peuvent servir de semi-conducteurs.